J'ai commencé à avoir les coudes irrités et douloureux, je me suis demandé si c'était pas à force de les poser sur la table et de rêvasser pendant les cours. Faux! En fait, j'ai du psoriasis. On s'en est rendu compte avec ma mère quand je suis allée chez le médecin. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que le psoriasis? Le psoriasisme, c'est une maladie inflammatoire de la peau et des articulations. En fait, le système immunitaire se dérègle et s'emballe, ce qui crée un renouvellement accéléré de la peau. Cela se caractérise par l'apparition de plaques qui désquament. Ouais, bah en fait, c'est des croûtes. Je me suis demandé, mais pourquoi j'avais ça? C'est parce que c'est une maladie génétique. Je suis ton père. Et voici ton psoriasis. Bon bah, si c'est génétique, on n'y peut rien. Et pas la peine de s'énerver contre ses parents! Ils n'y sont pour rien! On est avec. Et en plus, c'est une maladie qui peut ne pas se déclencher tout de suite. Et se déclencher à cause d'un stress, par exemple. Ou alors... Une joie! Ou même une rupture! Ou encore... un médicament, une blessure et même une infection. Voilà, voilà, les présentations sont faites. J'ai du psoriasis. Ça va, ça vient en fonction des saisons et en fonction des traitements. Mais si ça devient trop important, il faut prendre un traitement. Mais bon, on verra ça après, on en parlera ensuite. Par contre, ce qui est marrant avec le psoriasis, c'est que tu n'as jamais envie de te gratter. En vrai, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te gratter. Qu'en fait, le médecin te dit qu'il ne faut pas te gratter parce que se gratter, c'est comme le chocolat. Tu prends ton pied pendant 3 secondes et tu dégustes pendant 2 semaines. 2 semaines. Mais bon, j'ai développé des petites astuces pour calmer mes démangeaisons et aujourd'hui, mes astuces pour toi, c'est cadeau. Number 1. Si c'est sur le cuir chevelu, je masse avec un shampoing adapté. Si c'est sur le corps, je masse la zone qui me démange avec une crème hydratante. Number 2. Je pulvérise de l'eau thermale à l'aide d'un spray refroidi auparavant au frigo. Ça permet de calmer les démangeaisons. Number 3. Je prends un bain tiède dans lequel je dilue du bicarbonate de soude. Parce que ça permet de calmer les démangeaisons et surtout de te détendre pendant 20 minutes. D'ailleurs... c'est l'heure, j'y vais. En tout cas, l'important, c'est qu'il ne faut pas attendre que la maladie t'handicape pour aller voir un médecin. N'hésite pas à consulter si t'as le moindre doute. Les médecins, tu sais, ils sont là pour ça. Hein. Et le dermato t'indiquera tout simplement quel traitement prendre pour minimiser les plaques et maîtriser ta maladie. Et si une seule personne te fait une réflexion, se tape un coup de flip ou te dit « Ah, t'es conne !» tu n'as qu'à lui dire que ce n'est pas contagieux. Mais bon, ça, ce sera pour le prochain épisode. Allez, salut !